Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du jeudi by Armel. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent sur Facebook? Ok, super. Bienvenue dans les lives du jeudi by Armel. Si vous êtes là, je vous invite à me dire si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, si le son est bon, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a que vous, voilà, que vous êtes là, que d'être en lien, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, à laisser un petit mot si vous êtes de passage. Et même si vous le regardez en replay, n'hésitez pas aussi à me dire d'où vous venez, d'où et si vous me voyez, un petit coucou et ce serait parfait comme ça. Alors, c'est toujours la même configuration sur Facebook, c'est assez étonnant que ça se passe comme ça. Voilà, aujourd'hui le thème c'est comment sont impeccables. Merci Isa, merci beaucoup de ton retour et je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ce qu'on va développer ensemble, c'est se libérer de son passé pour mieux vivre. Et moi, je vais vous offrir quatre clés essentielles justement pour vous libérer de votre passé, pour mieux vivre votre présent. C'est les quatre clés que j'ai vraiment trouvées essentielles par rapport à mon propre parcours aussi, et ce que je vois et ce que je rencontre aussi comme difficulté dans mes accompagnements en coaching. Voilà. Alors moi, je suis Armel Timine, je suis coach énergétique, spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et mon intention à travers ces lives, justement, c'est de vous aider à gagner un temps fou dans votre accompagnement, à vous apporter de l'éclairage afin que vous puissiez mieux voir vos difficultés, savoir ce que vous avez besoin de changer et comment les changer. Si à travers ces lives, je vous aide et je vous permets de gagner du temps, j'en suis ravie. Si ces lives vous permettent d'avoir les outils pour vous accompagner au mieux et pour prendre soin de vous, et alors c'est super, parce que c'est vraiment mon intention. Donc si à l'issue de ce live vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou me mettre un commentaire sur vraiment ce qui vous a parlé dans ce live. Alors je vois qu'il y a des personnes qui se sont connectées sur Facebook. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un commentaire. Surtout sur Facebook là, parce que je pense que ils ont changé la configuration, donc je suis un petit peu perturbée par la manière dont c'est. Donc voilà, aujourd'hui dans ce live, nous allons parler des quatre clés essentielles pour vous libérer de votre passé et mieux vivre votre présent. La première question qui est intéressante déjà de savoir, c'est: qu'est-ce que vous faites actuellement? Qu'est-ce que vous avez déjà fait, que vous faites actuellement pour vous libérer de votre passé? C'est important de s'interroger sur qu'est-ce que vous mettez en place pour voir vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a jeté, qu'est-ce que vous pouvez maintenir et qui vous fait vraiment du bien. Parce que si vous avez vraiment besoin d'un changement concret, c'est important de faire le point. Donc pour certaines personnes, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous faites du yoga, vous pratiquez de la méditation pour retrouver du zen et de la tranquillité en vous? Est-ce que pour libérer votre passé, pour libérer justement ces blessures et cet inconfort, vous allez davantage lire des livres, regarder des conférences sur YouTube par exemple? Ou est-ce que vous entamez plutôt un travail sur vous, à aller chercher pourquoi est-ce que vous vivez ces blessures justement? Bonjour Tika et bienvenue. Est-ce que c'est plus ce retour vers soi que vous faites pour aller voir ok, pourquoi je vis mes blessures? Est-ce que c'est plus ça que vous mettez toute votre attention? Est-ce que vous êtes plus dans l'avantage, dans cette dynamique de « attends, comment je dois faire pour me sortir de là ?» Déjà, c'est des questions que je vous pose, donc et je serais curieuse de savoir et d'entendre vos réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire déjà, juste à ce stade-là. C'est-à-dire, quel est le moyen que j'utilise le plus pour m'accompagner, pour libérer de mes blessures, libérer de mon histoire passée?
qu'est-ce que je mets en place? Déjà. Et la deuxième question qui est intéressante, c'est de se poser, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ce que vous mettez en place ici et maintenant vous fait du bien? Si ça vous fait du bien, continuez. Mais si ça ne vous fait pas du bien, il faut arrêter en fait. Parce qu'on n'est pas, même s'il y a des outils qui fonctionnent pour certaines personnes, ça ne veut pas dire que ça marcherait autant pour vous. Moi, si vous me proposez le yoga, je vais vous dire non merci, c'est pas mon truc, je préfère méditer. Si vous allez me dire, ok, on va aller chercher pourquoi je vis cette blessure, ça ne m'intéresse pas non plus. Parce que ça, ça a été fait et j'ai perdu du temps. Je vous dis perdre parce qu'à un moment donné, on tourne en rond. Donc ça ne m'intéresse plus non plus. Mais ce n'est pas un jugement par rapport à vous, mais c'est juste, on s'interroge, on se pose. Et ça, c'est déjà super important dans une démarche de libération par rapport à notre passé. Voilà. Je vous pose cette question, pourquoi? Parce que moi, il y a un moment donné où, effectivement, j'ai été accompagnée par une super thérapeute, elle a été géniale, parce que j'avais ce besoin d'aller comprendre pourquoi je vivais toutes mes blessures, en fait. Mais il y a un moment donné, quand on fait le point, je me dis, tiens, c'est pas suffisant, j'ai besoin d'autre chose. Et là, ça me permet d'être dans une nouvelle dynamique. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, alors Isa me dit, moi c'est la lecture, la méditation depuis peu, mais cela fait du bien, mais j'ai du mal à me libérer du passé et avancer. Ben, j'espère que je vais t'apporter vraiment des éléments clés, Isa, vraiment. La sophrologie aussi, c'est super. Donc, j'espère vraiment t'amener des éléments clés pour que tu puisses... Je pense que la notion du temps, en tout cas en ce qui me concerne, a été importante. Parce que mes blessures ont été tellement lourdes, mais tellement lourdes, que je me suis dit, waouh, jamais j'aurai le temps de me libérer de tout, quoi. Ça va être long, ça va être un chemin qui va être très 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 long. Et presque, je voyais ça tellement long que je me suis dit que accéder au bonheur ne serait pas possible. Je passerais ma vie, je n'aurais pas le choix à part vivre avec ce qui était là et vivre avec toutes mes blessures. La vie ne m'intéressait pas en fait. Et je pense que j'en parle beaucoup de à quel point c'est possible de se libérer de ces blessures plus vite qu'on ne le pense. Je ne dis pas qu'il nous faut du temps pour tout. Pour certaines blessures, il nous faut du temps. Moi, ma blessure de rejet, je suis toujours à harmoniser cette blessure, bien sûr. En même temps, coucou Olga. Mais en même temps, je vois la vitesse à laquelle j'alchimise cette blessure et à quel point je peux passer à autre chose. Et ça me fait du bien. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre vraiment. Donc la première chose la plus importante pour moi, pour vous libérer de ça, pour vous libérer de votre passé, la première chose, pour moi en tout cas, c'est d'arrêter de se poser la question de pourquoi je vis ces blessures, mais rentrer davantage dans une dynamique de comment faire pour me libérer. On n'est pas dans la même dynamique. Quand on est dans le pourquoi, on est retourné, on tourne le dos à notre vie qui avance et on regarde en arrière. Et on va s'interroger sur qu'est-ce que maman et papa n'ont pas fait, pourquoi je vis cette blessure. C'est vrai qu'à un moment donné, on a un besoin de compréhension. Mais dès lors que vous avez compris que quel que soit ce que vous êtes, votre blessure que vous avez là, c'est parce que vous n'avez pas reçu l'amour que vous aurez souhaité de vos parents. Vous n'avez pas reçu l'attention et la considération que vous aurez souhaité. En fait, on résume tout à ça, en fait, quelque part. Donc, perdre son temps, je dis perdre parce que c'est vrai, on peut prendre un temps fou à se plonger dans le pourquoi j'ai vécu ces blessures. Ces blessures, elles sont là. Même si vous vous interrogez la question du pourquoi, même si vous allez chercher vos réponses, vous ne pourrez rien changer. Vous êtes juste en train de lire une histoire ou relire une histoire ou relire une version dans lequel, dans ce pourquoi, si vous pouvez bien observer votre mécanique, si vous êtes dedans, vous êtes juste en train de faire ce mouvement-là, d'aller chercher derrière parce que vous avez besoin de reconnaissance de vos blessures. Vous avez besoin qu'on reconnaisse que vous avez été victime de l'histoire que vous avez vécue durant votre enfance, de ce manque d'amour. Et ça ne répond qu'à ça en fait. Votre pourquoi valide que vous avez été victime et valide que vos parents sont les responsables et les agresseurs.
Mais en même temps que vous validez cette posture-là, vous n'êtes pas dans une dynamique de changer les choses. Parce que plus vous validez dans cette quête du pourquoi je vis mes blessures, pourquoi je suis tellement mal, le problème dans cette quête-là, c'est que vous maintenez en vous cette vibration de « je suis victime ». Et plus vous validez, actualisez, vous réactualisez cette vibration de « je suis victime » ici et maintenant, dans votre présent, ici et maintenant, ça veut dire que vous réactualisez et vous faites une demande à l'univers qu'être la victime, c'est exactement la réalité que vous avez choisie ici et maintenant. Donc à ce moment-là, faire des mantras ou faire un travail sur ça ne sert à rien. Puisque tous les jours, vous validez que vous êtes victime de votre passé. Donc attention à cette dynamique-là aussi. Autre chose, quand vous êtes dans cette quête d'aller chercher le pourquoi j'ai vécu cette blessure, quelque part, il y a de manière sous-jacente la non-acceptation de votre passé, de votre histoire. Je n'accepte pas que ça s'est passé comme ça. Je n'accepte pas d'avoir subi une telle blessure, d'avoir subi de telles choses. Je ne mérite pas. C'est vrai, vous ne le méritez pas. Mais ce qui est fait, est fait. Que vous l'acceptiez ou pas, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter votre passé tel qu'il est. Vous ne le changerez pas. C'est écrit, c'est fait. La douleur, elle est là. Donc, en fait, si vous êtes dans une dynamique davantage de libérer vos blessures, libérer votre passé, la question la plus efficace, c'est de se dire comment faire. Ok, je fais l'état des lieux. Je prends un temps et je fais l'état des lieux. C'est la faute de maman, c'est la faute de papa, c'est injuste. Je ne méritais pas ça, c'est ok, on est totalement d'accord avec ça. Mais la question qui est très importante et fondamentale, c'est comment faire? Comment faire pour me sortir de là? Comment faire pour que je puisse retrouver la paix dans mon cœur? Comment faire pour avoir accès au bonheur? Comment faire pour avoir accès à la richesse si j'ai souffert d'une insécurité financière? Comment je peux avoir accès à ça? C'est ça la question la plus importante, c'est celle-là. Comment faire? Et quand vous êtes dans cette dynamique de comment faire, dans cette ligne du destin, vous êtes face à votre destin, vous êtes dans une dynamique de construction de votre vie. Et à ce moment-là, vous allez gagner un temps fou. Mais ça, c'est clair. Mais surtout, vous allez actionner le changement de manière concrète, un changement concret, là, ici et maintenant, dans votre vie. Et vous allez du coup faire de votre rêve une réalité. Je rêve de mieux vivre. Comment faire ? Je rêve de vivre dans une abondance d'argent et d'avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins et aussi être dans une aisance financière. Comment faire? C'est ça la question. J'ai envie d'avoir accès à la réussite. Ok, comment faire? J'ai envie d'avoir du respect et de la considération ici dans ma vie. Comment faire? J'ai envie de vibrer de l'amour et de vivre, de recevoir de l'amour en abondance. Comment faire? Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous gagnez un temps fou. Mais vous n'êtes, c'est sûr que c'est deux dynamiques inverses, en fait. Le pourquoi est retourné dans votre passé, le comment faire est retourné et dans comment je vais me préoccuper de mon présent et comment je peux me préoccuper des jours à venir. Ça, c'est certain. Donc, j'espère que ça va déjà résonner en vous. Ça, c'est la première clé pour moi. La deuxième clé qui est importante pour vous libérer de votre passé pour mieux vivre votre présent ici et maintenant, c'est d'arrêter de fuir. D'arrêter de fuir votre passé et d'avoir davantage le courage d'être au cœur et dans l'épicentre, vraiment, de l'ouragan. C'est-à-dire que plus vous allez fuir vos blessures, plus vous allez créer des stratégies de survie pour fuir vos blessures, plus vous vous éloignez de la solution. La solution à votre histoire, elle se trouve au cœur même des tourments, au cœur même de vos blessures, au cœur même de l'inconfort que vous ressentez, au cœur même de vos peurs, au cœur même de ce sentiment d'abandon qui vous déchire le cœur. Quand vous acceptez d'être au cœur du cœur de l'ouragan, c'est à ce moment-là que vous allez trouver des solutions. Parce que la solution, elle est à ce niveau-là. Comment je vais faire pour vivre avec? Cette histoire, elle est déjà écrite.
Elle est imprégnée dans vos mémoires cellulaires. Elle conditionne votre vie ici et maintenant. Vous êtes devenu un être qui fonctionne de manière automatique et qui va répondre à vos blessures et à vos blessures passées, parce que vos blessures passées restent des mémoires vivantes, vibrantes à l'intérieur de vous. Ça, c'est sûr. Donc, la question, c'est comment faire pour vous sortir de là. D'accord? Donc, pour ça, vous avez besoin d'être au cœur de l'inconfort. Plus vous cherchez à fuir l'inconfort, plus vous avez ce besoin de bien-être à tout prix, plus vous avez ce besoin d'être heureux à tout prix, plus vous allez fuir d'être dans l'espace où vous allez trouver votre solution. Ça veut dire que c'est uniquement quand vous accepterez de rester au fin fond, dans l'ombre de vos blessures, que vous allez trouver la solution. Parce que la solution, elle est là. La solution, c'est la solution la plus appropriée à la blessure qui vous fait le plus mal. Donc, c'est quand vous serez dedans que vous allez trouver la solution. Donc, vous allez transformer l'ombre en lumière, mais en étant au cœur de l'ombre. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais c'est sûr que j'ai fait l'expérience moi-même, je me suis dit, ah super, moi je veux fuir mon passé, je veux fuir mon histoire. J'ai mis 11 000 km entre mon pays et moi, je me suis dit, ah ça y est, je suis libérée, je me suis éloignée. Ben, pas du tout. Vous connaissez l'expression, j'ai même coupé les liens avec ma famille en disant, ah ça y est, je coupe les liens avec le père de ma fille, comme ça je suis débarrassée de cette histoire. Mais est-ce que vous connaissez l'expression qui dit, chasse le naturel, il revient au galop. Toutes vos peines, toutes vos blessures, vous allez les revivre à travers un autre scénario, une autre situation avec des acteurs différents. Mais ça va être in fine la même chose. J'ai fui mon passé et la violence de ce divorce de mes parents. Mon divorce avec le père de ma fille a été de la même violence. Là, ça m'a mis une réelle claque. Je me suis dit, waouh, en fait, je ne pourrai jamais fuir. Mais non, vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pourrez jamais fuir cette blessure de rejet qui est en vous. Vous ne pourrez jamais fuir cette blessure d'abandon. Par contre, quand vous acceptez de revenir et d'aller à la rencontre de cet inconfort-là, là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que vous allez être au bon endroit, tout simplement. Vous voulez traiter un problème. Si vous êtes à un autre endroit, vous ne le traiterez jamais. Il faut être à l'endroit où le problème se pose, en fait. Et étant donné, comme j'ai dit tout à l'heure, chasse le naturel, il revient au galop, c'est vraiment que pourquoi on reproduit? Parce que vous êtes porteur, c'est en vous, vous portez vos blessures à travers vos mémoires cellulaires. Et ces mémoires cellulaires, elles sont non résolues, donc elles restent vivantes à l'intérieur de vous. Et tant que c'est vivant, que vous ne les déprogrammez pas, et ben c'est là, c'est d'actualité. Donc vous allez revivre des situations dans lesquelles cette mémoire, elle va se réactualiser à nouveau. Et c'est ainsi qu'on répète à vite éternam et qu'on revit à vite éternam nos blessures passées. D'accord? Donc du coup, la question qui se pose, du coup, si j'arrête de fuir et que je reviens vers l'inconfort, du coup, il y a quand même, on voit bien que dans cette société dans laquelle nous sommes, on nous invite à fuir nos blessures, hein. Bien sûr, c'est bien de prendre un petit cacheton, histoire de, voilà, comme ça je me sens bien, hein. Comme ça j'y suis pas, comme ça j'évite d'avoir mal, mais quand on évite d'avoir mal, on s'éloigne de la solution, on s'éloigne de la guérison, on s'éloigne de la libération. Donc c'est vrai qu'il y a une réconciliation avec la douleur. Ça veut dire que vous avez besoin d'arrêter d'avoir peur, d'avoir mal. Parce que mais c'est toute une mécanique en fait. Justement, c'est ce que j'enseigne dans le programme Créer votre propre changement. Dans ce programme, on est vraiment au cœur de ça. Comment je peux plonger au cœur de l'ouragan et me structurer en tant que moi, me faire confiance. Et en même temps, je vous offre les outils pour comment faire. Comment faire pour justement
transformer de manière concrète ce qui paraît tellement enfermant de quelque chose d'ouvert, en fait. Comment déprogrammer ces mécanismes qui ont été alimentés encore et encore? Comment déprogrammer et défaire ces nœuds pour enfin, à un moment donné, enfin, à quel moment je m'autorise à vivre la vie que je veux vraiment? Qu'est-ce que je mets en place, en fait? Comment, de manière concrète? Il y a un moment donné, enfin, moi, en tout cas, je veux du résultat. Si moi, à un moment donné, je me pose, je me sens mal, je me pose, je vais faire ce mouvement d'introspection, très sérieusement, ce n'est pas une gaieté de joie, je ne passe pas un super moment. C'est hyper désagréable. Il y a des moments où ça fait vraiment, vraiment mal. Il y a des moments où je pleure des jours et des jours et des jours parce que j'ai besoin d'aller rencontrer cet espace de moi que j'ai besoin d'harmoniser. Mais je sais que je ne le fais pas pour rien. Je sais qu'au bout du compte, je vais sortir gagnante de mon histoire. Au bout du compte, je vais transformer ce qu'il y a là. Au bout du compte, je vais en faire quelque chose de grand de ce que je suis en train de traverser. Et il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir vécu tout mon passé pour rien. Je n'ai pas envie de me dire que j'ai eu mal juste pour avoir mal. Non, si à un moment donné, je vis une situation et que je trouve que c'est vraiment difficile, je me suis dit, tiens, c'est le moment. Tiens, là, je vais pouvoir transformer quelque chose. Parce que cette chose-là, c'est ce qui m'empêche d'accéder à l'abondance financière que je veux. Donc, ok, je vais aller rencontrer ça. Ok, ça fait mal. Mais je sais au plus profond de moi que si je libère, je déprogramme ce gros nœud. C'est comme si je cours, hop, j'ai un obstacle. Ben, je déprogramme l'obstacle pour pouvoir continuer. Je ne fais pas comme si l'obstacle n'existait pas. Non, non, non. Je ne fais pas comme si je vais reprendre le même mur à chaque fois. Non, non, non. Je me pose, je m'arrête. Je reprends tous les outils que je vous propose justement dans le programme Créer votre propre changement. J'applique tous ces outils-là à la lettre. Et au final, je change ma vibration intérieure parce que vos mémoires cellulaires constituent votre vibration intérieure. Donc, dès lors que vous changez votre vibration intérieure, vous changez votre énergie, vous changez votre constitution de base. Et à ce moment-là, vous pouvez actionner le changement que vous voulez vraiment. Ok ? Donc, du coup, la solution, c'est justement comment... Dans le programme, c'est vraiment comment faire quand je suis au cœur, dans l'épicentre de l'ouragan, et comment je peux transformer ça en plein de pépites dans lesquelles je suis gagnante. Parce qu'il y a toujours à gagner dans toutes ces histoires. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Il n'y a que ça. D'accord ? Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, ce programme commence ce samedi 11. Donc, vous avez encore le temps. Parce que franchement, moi, j'aurais été vous, je serais venue tout de suite. Parce que je pense que ça, s'il y a vraiment quelque chose... qu'on a tous besoin de savoir, c'est d'avoir ces outils-là parce qu'on ne nous a pas appris, on ne nous a pas éduqués à rencontrer nos émotions. On nous a éduqués à aller bien de suite, on nous a éduqués à fuir nos émotions. Et puis notre cerveau limbique, il est fait pour ça. Hein. La première chose, c'est qu'il ne veut pas, dès qu'il y a une souffrance, hop, la première chose, c'est la fuite ou la prise de contrôle ou mais où on est figé. Mais quelque part, en fait, on ne nous apprend pas à comment faire. Et pourtant, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé du bonheur, c'est de savoir comment faire quand on a un blocage, comment faire quand on a une résistance, comment faire quand on sent que quelque chose bloque dans notre cœur. Mais une fois que vous savez comment faire et déprogrammer vos peurs, qu'est-ce qui vous reste? Imaginez là que vous savez défaire tous vos peurs, vous savez déprogrammer tous vos peurs. Qu'est-ce qui vous reste? La liberté de vivre ce qui est cher à votre cœur. Il reste ça. La troisième clé, justement, pour vous libérer de votre passé, c'est vraiment de faire attention aux décisions, les choix que vous faites. Je m'explique. Si à un moment donné, je me dis « je souffre », j'ai souffert d'une insécurité financière. D'accord ? Bien. Chaque fois que j'ai vécu que je tremble à l'intérieur de moi parce que j'ai peur
de manquer d'argent, j'ai peur de ne pas gagner assez, j'ai peur de ne pas remplir mes fins de mois, qu'est-ce que je fais? Je vais poser des actions qui, en réalité, pour me sortir de cette situation, mais qui, en réalité, sont en lien avec ce manque et cette peur que j'ai à la base. D'accord? Cette peur qui est née de mon histoire passée. Et à ce moment-là, je vais accepter un travail, peu importe le prix que c'est. Je vais accepter un travail, peu importe le prix que c'est, même que je me respecte ou pas, peu importe, mais je vais tout faire pour trouver des solutions pour pallier à cette urgence financière. Mais à l'instant où je trouve cette solution-là, je suis en train de nourrir ma blessure passée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de nourrir ma blessure passée parce que mon action ici et maintenant, en 2021, est en lien avec la blessure que j'ai vécue quand j'avais 8 ans. Ça veut dire qu'à l'instant où je fais ce choix-là, j'actualise dans ma vibration intérieure que cette mémoire, elle est toujours d'actualité pour moi. Cette mémoire du manque, de l'insécurité, elle est toujours d'actualité pour moi. Vous voyez? Ça veut dire que pour vous libérer d'une blessure du passé, vous avez besoin d'arrêter de raisonner, de prendre des décisions à partir de cette blessure-là. Vous avez besoin de vous rendre libre. Quand je suis libre d'une blessure, ça veut dire que toutes mes décisions, aujourd'hui, ici et maintenant, ne dépendent plus de cette peur. Cette peur, elle peut émerger de moi. Ce sentiment d'insécurité, elle peut émerger de moi, mais c'est un sentiment. Ce n'est pas réel ici et maintenant. Ce n'est pas d'actualité ici et maintenant. Ici et maintenant, j'ai une situation qui est là. Et la question, c'est si je veux actionner le changement, si je veux changer de réalité, si j'ai envie de me libérer, je suis libre. Je suis libre de cette blessure. Ça veut dire que cette blessure n'est plus un référentiel dans ma réflexion. Cette blessure n'est plus un référentiel dans ma réflexion. Ma réflexion aujourd'hui, elle va partir d'une autre base de réflexion, un autre référentiel qui est la conscience de qui je suis vraiment. Et la conscience de qui je suis vraiment, c'est que j'ai conscience que je vis dans l'abondance. Parce que ça, c'est ma nature profonde. Je l'ai oublié. On ne me l'a pas appris. D'accord. Et une fois que j'ai intégré ça, c'est de là que tout part. Quelle est donc l'action que je vais poser en sachant que l'abondance, je suis déjà dans l'abondance. Donc je n'ai pas besoin de courir, je n'ai pas besoin de lutter. J'ai besoin de poser des actions. C'est vrai. Mais je vais poser les actions à travers une énergie d'abondance. Une énergie où je suis tranquille. Une énergie où ma conscience est posée. Donc c'est vrai que c'est une gymnastique parce que l'inconfort est quand même là, mais je vais poser des actions à partir d'une conscience. La conscience, je ne vais pas la ressentir dans mon corps, c'est sûr. Par contre, ça va demander une gymnastique. Et c'est cette gymnastique subtile que nous travaillons justement dans ce programme. Et c'est une gymnastique qui est indispensable. Parce que tant que vous raisonnez que votre référentiel de réflexion, c'est vos blessures, inconsciemment, consciemment, vous dites à l'univers, ma blessure est toujours d'actualité. Ici et maintenant, je fais le choix que ma blessure est d'actualité. Ici et maintenant. Je vais donner un autre exemple. D'accord? Je dis par exemple, on va prendre une... comment dire? J'ai peur de... Alors, il faut que je trouve un exemple qui soit parlant, là, ou par rapport à une patiente, ou par rapport à ce que je vis ici et maintenant. Ok, par exemple. Ah, en ce moment, je me sens seule. Et... ce serait même pas parlant. Ok, un autre exemple. Tiens donc, je vis une situation dans laquelle il y a un inconfort.
D'accord? Je ne suis pas d'accord. On va dire, il y a un désaccord entre une amie et moi. D'accord? Ok. Donc là, il y a une mise au point à faire. Dans cette mise au point-là, dans laquelle j'ai un besoin de considération et de respect, je me dis, j'ai quand même peur de lui parler, blablabla, ça c'est mon histoire passée, parce que si je lui exprime vraiment ce que je ressens, elle va me considérer comme quelqu'un de compliqué et je risque d'être rejetée. D'accord? Donc par peur d'être rejetée, je ne vais pas totalement exprimer ce que je veux. Ça, c'est ce que je vais faire si mon référentiel, c'est ma blessure de rejet. À supposer que dans mon enfance, j'ai souffert de ma blessure de rejet et que ma mère m'a toujours dit que je suis quelqu'un de compliqué, que je suis quelqu'un qui cause des problèmes. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais être dans l'expression de ce qui est important pour moi, j'aurai forcément cette appréhension-là et cette peur de dire, ah, on va considérer que je vais être compliquée, que je cause des problèmes, et à ce moment-là, j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur d'être isolée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrondir les angles. Je vais parler, mais je ne vais pas tout dire vraiment. Je vais faire en sorte que ça aille. Donc, en fait, cette notion de j'ose pas trop, elle est par rapport à la blessure. À l'instant où je fais ça, je suis en train de nourrir ma blessure. Si je considère que je veux me libérer de cette blessure de rejet, à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, je décide que ce n'est pas le référentiel de ma réflexion. Ça veut dire qu'à cet instant-là, il y a un inconfort qui va être là, c'est vrai. Mais cet inconfort qui est là, elle date de quand j'avais 8 ans. Elle n'est pas actuelle ici et maintenant en 2020. C'est une mémoire qui se réveille, mais ce n'est pas parce que ma mémoire se réveille que elle est d'actualité. Elle est d'actualité si je la choisis comme étant un référentiel. J'espère que ça, c'est hyper, hyper important ce que je suis en train de dire là. D'accord? Donc, à ce moment-là, il y a vraiment cet exercice subtil de ce détachement qui va faire que vous allez incarner, vous allez poser cette vibration en vous de la réalité que vous choisissez. Vous êtes libre de votre passé. Et ça, c'est là, c'est maintenant. Il n'y a pas besoin de 5 ans de travail sur soi pour ça, en fait. Mais c'est juste une mécanique que vous avez besoin d'avoir l'habitude de faire. Et quand vous avez l'habitude de faire ça, c'est nickel. C'est nickel. Je vous garantis. C'est vous harmoniser, vous libérer d'une blessure, ça va hyper vite. Ça va hyper vite. D'accord? Ça, c'est OK. La quatrième clé, en tout cas, qui pour moi est importante pour vous libérer de votre passé, pour mieux vivre, je l'ai dit, je l'ai redit et je le redis. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir les clés pour savoir comment déprogrammer vos mémoires, vos blessures et vos mémoires bloquantes. Comment déprogrammer les mécanismes bloquants dans lesquels vous êtes? Vous avez fait un nœud quelque part dans votre vie et c'est quand même terrible, on ne nous enseigne pas à défaire les nœuds. C'est pour moi, à mon sens, c'est la chose la plus importante à savoir faire. Comment faire? C'est peut-être la chose qu'on a besoin de transmettre à nos enfants. Savoir comment déprogrammer, défaire, pour s'offrir une réalité, celle qu'on choisit. On n'est pas obligé de vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre. On a le pouvoir et la liberté de choisir la vie qu'on veut vivre. Mais pour ça, on a besoin de savoir comment faire. Il n'y a que ça, en fait. Donc, dès lors que vous avez le processus de la déprogrammation, ce process-là, il englobe toutes les clés que je vous ai dit là, hein. Une fois que vous savez comment faire, vous êtes libre. À tout moment, vous êtes libre. Et vous avez la capacité et le pouvoir de le faire. C'est pas aux mains d'un thérapeute. Je ne suis pas propriétaire de ce processus, même si c'est un processus que j'ai reçu en écriture automatique. Je ne suis pas propriétaire de ce processus du tout, du tout. Je l'ai reçu, je l'ai appliqué, je l'applique tous les jours. Je bénis vraiment le fait de l'avoir parce que je me sens libre aujourd'hui.
rien ne m'arrête. Il n'y a juste qu'une seule chose, le fait que je m'habitue à m'autoriser à vivre, à avoir des grands rêves. C'est ça. Ma problématique, elle n'est pas dans mon passé. Elle veut dire, ah, comment je peux rêver grand parce que je n'ai pas eu l'habitude de ça, en fait. Mon cœur est rempli d'espoir parce que rien ne me limite. Rien ne me limite parce que je sais comment faire, je sais comment prendre soin de moi vraiment. Et je sais que je n'ai pas besoin d'y consacrer toute une vie pour ça. C'est là. La seule chose, c'est que, effectivement, moi, ce qui est important, ce n'est pas juste que vous ayez les outils et les clés pour manier la déprogrammation des mémoires cellulaires. Ce qui est important, c'est comment je peux mettre ça en œuvre pour moi et en même temps être complètement en connexion avec les lois universelles de la vie. Parce que vous êtes en interaction, il y a vous, ce que vous vibrez, vos blessures non résolues dans vos mémoires cellulaires, on est d'accord, et la réalité que vous créez. Donc il y a moi et la réalité que je crée. Et donc le programme Créer votre propre changement est un programme quantique. Ça veut dire qu'il y a là une dimension quantique. Il s'agit de vous et de bien plus grand que vous. Il s'agit de vous et de tous les événements de votre vie. Il s'agit de ça. Ça veut dire que vous reprenez votre vie en main, les rênes entre les mains, et vous la créez. Vous êtes acteur de votre vie. C'est pas magique, non? Donc, j'espère que ces quatre points-là vous ont vraiment apporté les éléments nécessaires de comment vous pouvez prendre soin de vous de la meilleure façon que ce soit, ça c'est sûr, mais de façon à ce que vraiment vous y gagnez du temps, que vous ne vous perdez pas. Dans le programme Créer votre propre changement, j'accueille aussi beaucoup de personnes qui ont fait des personnes spirituelles, même des thérapeutes spirituels, qui ont eu un long chemin, et qui ont beaucoup exploré, essayé, tenté pas mal d'outils, et qui, à l'issue de ce programme, me disent merci Hervé, merci parce qu'en fait, là, on a quelque chose de concis, c'est un guide qui est concis et clair. Donc, il y a comme une clarté de l'usage des outils, de tout ce qu'ils ont pu entendre, écouter. Mais là, hop, c'est un process d'utilisation pratico-pratique dans leur quotidien. C'est pas quelque chose qui est intellectualisé, c'est quelque chose qui se vit dans la matière. Les changements que vous voulez opérer, libérer de votre passé, ça ne veut pas dire « je comprends mon passé ». Non, libérer, être libre de son passé, c'est « est-ce que j'ai construit une autre réalité de vie ? Est-ce qu'aujourd'hui, la vie que je me suis offerte est une vie différente ? Est-ce que si j'ai été touchée par mon histoire, blessée par mon histoire, est-ce que mon cœur est en paix ? C'est ça la transformation concrète. Elle est dans la matière. Elle n'est pas tout simplement dans la compréhension. Ce n'est pas en donnant des grandes leçons de compréhension que ça veut dire que je me suis libérée de mon passé. Non, c'est juste pour moi, excusez-moi, c'est du vent, quoi. La connaissance, c'est important. Mais c'est ce qui fait vraiment que vous êtes libre de votre passé, c'est comment j'ai changé ma vie ici et maintenant. Quelle est la qualité de ma vie ici et maintenant. Comment je goûte au bonheur à laquelle j'ai aspiré ici et maintenant et concrètement. Comment je peux me réconcilier avec l'homme aujourd'hui, ici et maintenant. Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que je suis en confiance avec l'homme, quelle que soit l'histoire que j'ai vécue avec mon père? Ça, c'est le changement concret. La communication non violente, ça ne sert à rien d'intellectualiser la même. Ça ne sert à rien d'avoir la théorie technique. Ce qui compte, c'est comment je peux mettre ça en application dans mon quotidien ici et maintenant. Comment je peux transformer ma vie, transformer ma communication et aller vers une communication d'excellence ici et maintenant. C'est ça qui compte. Et là, vous êtes libre. Il y a une liberté réelle. Je suis libre parce que je ne suis plus conditionnée. Mes pensées ne sont plus conditionnées par ce qui m'a brisé, en fait. Mon référentiel dans ma réflexion n'est pas ce qui m'a brisé. Ce qui anime en moi, c'est mon rêve. C'est la vie que j'ai envie de vivre. C'est ce à quoi je m'autorise aujourd'hui. Et si donc vous avez vraiment tranquillement dans votre cœur, vous dites de toutes les façons, quel que soit ce que je traverse là, même si je vais m'effondrer, même si j'aurai les deux genoux à terre, je saurai me relever parce que je sais comment faire.
Parce que justement, j'ai tous les outils pour déprogrammer tous les blocages qui sont là. Franchement, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que la joie de réaliser les choses. C'est ça en fait. C'est ça. Donc je ne sais pas, la question que j'aimerais vous dire, est-ce que c'est, tout ça est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors sur Facebook, est-ce que vous pouvez m'envoyer des commentaires? Parce que je ne vois pas du tout sur Facebook où ça se passe. Juste pour que je sache pour ceux qui sont là, parce que ils ont changé la configuration. Donc je veux juste voir comment c'est, si vous me connectez bien. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions? Et même si vous la regardez en replay, n'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions? Et la question, il y a une dernière chose aussi que j'aimerais vous demander. C'est avec quoi vous repartez avec ce live? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce live? Je serais intéressée de vous lire. Je serais intéressée de voir ce qui vous a le plus marqué dans ce live. En tout cas, je reste à votre disposition. Vous savez que si vous avez envie de vivre cette aventure, vous dire ah, c'est le moment pour moi d'avoir vraiment des outils pour un changement concret. Voilà. Vous avez la possibilité de vous inscrire, il reste 5 places, donc c'est ce samedi. Ce samedi 11 septembre, sur Zoom, il y a des participantes qui vont venir sur place, elles sont les bienvenues, mais ça peut se faire sur Zoom aussi. Donc je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Sinon, je reste à votre disposition pour des séances individuelles, soit à distance, soit par Skype. Voilà. Et profitez de ce programme, juste une petite annonce à vous faire. C'est la dernière que je vais faire sous ce format-là. Donc profitez-en. Voilà, je ne vous annonce pas plus, mais en tout cas, c'est la dernière. Donc si vous avez envie, là, profitez-en. Ce programme, il est vraiment magnifique. Il y a un avant, un après. Beaucoup de monde ont témoigné des transformations. De ce programme qui est vraiment magique, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube pour aller voir. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous remercie aussi de toute la confiance que vous me portez. Si la vidéo elle vous parle, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire de ce qui vous a plu dans ce live et surtout partagez-la. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vois que là, il n'y a pas de questions. Vous avez la possibilité toujours de le faire. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que les 4 clés que je vous ai proposées aujourd'hui vont guider vos pas et que vous allez prendre soin de vous vraiment et que vous allez gagner du temps avec tout ça. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous dis à jeudi prochain. C'est à 18h. C'est les lives du jeudi by Armel. Abonnez-vous à ma page Facebook ou Instagram, il y a aussi YouTube, et si vous voulez recevoir la mailing list, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail. En Vartika, et je te dis à bientôt, du coup tu passes quand tu veux pour la visite. Olga, merci à toi, je te souhaite une bonne soirée, merci pour ta fidélité vraiment et pour ton message qui m'a beaucoup touchée. Hello Cédric qui est de passage là, donc il y a plein de monde que je connais pas. Cécile, hello Cécile. Voilà, donc soyez les bienvenus. Je vous dis là pour le prochain live à 18h. Voilà, je ne sais plus lequel, quel est le thème. Allez, au revoir tout le monde et passez une bonne soirée.